Appuyer tout le monde qui rigolait ça et le rêve assassiné. Moi-même, d'abord, plutôt le rêve du président assassiné. Bien, le rêve retardé. Parce que la criminalité, au fond, est déjà poussée. Tout le monde est déjà contaminé. Grand projet Jovenel, idéal de Jovenel, personne ne va bloquer. Il n'y a qu'à retarder. Il te dit déjà, le travail était fini. Ce travail pas nous qui commence à connaître. Ce travail pas en tant que jeune. Tout ça, tu as dit, prends ton temps de et fais passer. Pour tes messages là, partout dans le pays, dans tout paysannerie, pour voir comment nous développer le pays. Il y a un gros président, il était fait nous connaître, aide au développement, yo, pas qu'à faire développement tout. C'est nous-mêmes qui avons fait le développement avec l'argent, pas nous. L'argent trésor public là, ou bien l'argent non prêté, non mettez en dedans trésor public là. Les montrer, malgré toute contrainte, toute barricade, tout pays lock, qui sont faits rapidement avec l'argent trésor public là. Ce n'est pas seulement ma deal, nous constatons. Dans un minimum de temps, les fonds pont en longueur de 2 cm. Parce que j'aime bien mon qui fait dans un an. Dans 3 ans, ils font barrage dans la même logique à barrage Pelli. Pas aucun monde qui fait dans temps ça. Il était presque réalisé 80 km avec plus de 80 ouvrages. Nous avons fini dans 85%. 15% qui était. Hein. C'est 3 ponts qu'il a donné que nous avons déjà négocié. Depuis plus de 60 ans, avec l'agent trésor public, il mettait dans le réseau hein, 60 MW. Après Pelig, qui a mis 54 MW, il n'y a aucun monde qui mettait encore. C'est rêve ça. Il dit, si nous avons besoin de développer un pays, jouer sous l'argent trésor public. Comptez sur l'argent trésor public. Pour compter sur l'argent trésor public, il faut gagner le contrôle de douane. Il faut gagner le contrôle des GIO. Il faut gagner le contrôle du ministère des Finances. Il faut gagner le contrôle des RH. Il faut la constitution ça parle à tout. Parce que c'est une source de stabilité. C'est lui-même qui faut négocier, même avec malfaiteur, cap de Dieu. Donc, c'est dans le cadre ça. C'est ça l'idéal président Jovenel là, c'est ça le rêve. Il y a un retard de rêve là, mais rêve là pas détruit. Pardon? Malheureusement, pas de temps. Si je t'avais écrit la donne, je dit président Jovenel là lui-même seul. Réaliser plus que somme de présidents. Qui passait sous pouvoir de 86 à nos jours, pas jamais réalisé. Et samedi, là, on a pété le ladder. Donc, je dis, partout dans le pays, on a besoin de l'électricité 24-24 là-bas. Côté le patron 24-24, il a 18 ans. Côté ouest, ça n'a été fait et grandance. Ouest, ça n'a été fait au Caï. Ouest, ça n'a été fait Port-au-Prince, on a gagné 18 ans Port-au-Prince. Ouest, ça n'a été fait et Saint-Marc. Nous avons gagné 8 MW nord-ouest. Fini. Synchroniser seulement pour synchroniser, ça seulement n'est pas qu'à faire. Nous avons 10.8 MW au cap, 7 km. Seulement synchroniser, n'est pas qu'à faire. Donc, ouais, même si ça n'est pas qu'à faire. Là, on a pas d'obligation, là, côté de notre trouver là. Nous avons commencé avec l'innovation pour nous faire ça. Mais côté de nous quitter là, là, lié jusqu'à présent. Même Boukar, nous avons demandé à tous les journalistes, on arrive à Boukar qui est dangereux là. Boukar, c'est un bois patate. Nous commençons à travailler ça, nous allons caler le tremplin. Travailler ça que partisans et sympathisants président Jovenel Moïse mettent ensemble pour agréer l'initiative ça. Je dis à nous-mêmes, nous disons tout ça qui est là, nous la main forte, tout ça qui est nous courage pour nous continuer lutte la bataille pour justice, président Jovenel, bataille pour les Haïtiens, joindre justice, parce que c'est pour nous, président Jovenel Moïse, ta bataille, ta promener route, l'eau, route courant, manger dans l'assiette. Nous, je dis à assassins criminels, si au Libanais mettait à oligarque politique, ils ont été assassinés, président Jovenel Moïse, dans la nuit 6 juillet 2021. Je dis à nous une bataille pour nous délibérer le pays. C'est premièrement, c'est justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour toute fin nous qui tombé. Et puis, nous avons profité pour nous dire que les peuple haïtien encourage à acheter le livre là pour nous lire, pour nous comprendre pour qui ça qui a assassiné le président Jovenel Moïse. Pour qui ça, les gars politiques, ils mettent ensemble pour arriver à assassiner le président Jovenel Moïse qui était un rêve pour le peuple haïtien. Et je suis cohérent avec samedi à tout par rapport à nous. Que
gen des figures militants. Nous pas besoin c'est monde qui est ancien chef parce que nous connaissons grand pile ancien chef qui participait dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Je dis peut-être ça nous même nous camper pour nous dire que tout haïtien qui c'est vrai haïtien qui ont rêve pour pays à continuer acheter livre là pour nous arriver comprendre qui est président Jovenel Teye, qui rêve président Jovenel Teye pour pays d'Haïti. OK, merci. Donc c'est en façon que chaque monde, chaque auteur d'essayer ou président comment on découvre. Moi-même pensais que le personnage là c'était un personnage de l'histoire. Et Jovenel il essayait d'analyser la société dans son fondement le plus tragique, basé sur la corruption depuis l'indépendance. Le père fondateur de la patrie de ça qui a été assassiné pour ça. Et Jovenel Moïse également a été assassiné pour ça. Parce qu'il pensait qu'il y a un sens élevé de l'histoire, de l'État. Il était un gardien des intérêts de l'État pour les intérêts de protéger. Donc on comprend que dans la société, il y a un groupe de monde, puisque la société haïtienne est basée sur la corruption. Autrement dit, l'État est contrôlé par des groupes mafieux aux ramifications institutionnelles et sociales qui prennent notamment une certaine tradition. Donc pour arriver à faire ça, pas aucun président qui a changé le pays, c'est pas qu'à faire ça. Parce que la richesse du pays est monopolisée pour un petit peu. Donc pour faire payer aller là, il faudrait que nous frappions de fort. Pour frapper de fort, il faudrait que nous réhabilitions l'homme haïtien dans son être et dans son destin. Réhabiliter dans son être, dans son destin, c'est permettre qu'il prenne en main les charges que toute société prend pour venir à l'école. Il faut qu'on soit responsable à tous les niveaux. Bon, il y a des responsabilités du pays. Celui qui prend responsabilité pour qu'on puisse changer. Puisque le pays n'est pas pour changer, c'est pas un monde qui peut faire ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fui la République dominicaine, nous prenons aux États-Unis, on a changé le pays. Le pays, ça, au monde, ça a été allé. Au moment de la durée, il y a des hommes et des femmes, des valeurs là-dedans, dépendent de ces hommes. Donc, le journal, c'était ça, tout à fait, c'est questionné. C'est un questionnement permanent des problèmes structurels qui empêchent le pays d'aller. Malheureusement, il y a un peu de monde qui va te comprendre. Donc, on a manipulé le peuple contre le président pendant tout le temps de là. Bon, je dis à nous, on a compte qu'il y a un peu de monde qui commence à comprendre. Bon, il n'est jamais trop tard. Peut-être que la façon dont il a été assassiné, je pense que il prend une certaine ampleur par rapport aux des problèmes que tout le monde. Pour nous commencer à comprendre, compte que le pays, c'est notre construit. Pour nous construire le pays, ce n'est pas les n'a plus de responsabilité. Nous, on doit assumer nos responsabilités pour que le pays ait caché. Écoutez, ça c'est le mauvais conseil. Bon, il y a un mauvais conseil, je ne connais pas à ma connaissance. Non, du tout pas. Écoutez, moi je suis un républicain, écoutez, je ne connais pas un mauvais conseil. C'est un mauvais conseil, un conseil qui respecte la loi, etc. Mais maintenant, dans la dynamique politique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a normal. Mais notre mauvais conseil, je ne connais pas un mauvais conseil, mais à ma connaissance. Sur ce point-là, je ne connais pas un mauvais conseil. Combien de temps ça dépend pour nous démettre? Bon, c'est à peu près 6 mois. Oui. On résume. Bon, nous avons parlé de 1. Nous essayons de montrer au président, c'est qu'on est qui a défendu l'intérêt général. Il a fait de l'intérêt général le fondement de sa politique. Je ne suis pas d'accord pour nous prendre bien l'État, pour une bataille qu'il a fait sur ça, parce que Haïti est contrôlé par un réseau mafieux aux ramifications sociales et institutionnelles qui prend otage qui reste dans la nation. Si nous ne comprenons pas nous-mêmes, qui je ne comprends pas. Le pays, depuis le départ des Duvaliers, il y a une double transition qui est faite en Haïti. La transition de la dictature à l'anarchie, parce que l'on a détruit l'armée, la paresse sécuritaire du pays devrait être renseignée dans le pays à Kazakhstan. Et deuxièmement, une transition du monopole de l'État à monopole privé. Donc c'est pourquoi il y a la pauvreté dans le pays. Donc Jovenel avait compris tout ça. Donc Benoît, puisque on homme de l'histoire, le conseil est toujours assassiné parce qu'il y a des groupes qui va laisser. Donc une double transition qui fait. Donc, il n'y a pas de sécurité à l'État, on va être au pays, il n'y a pas de sécurité. Personne ne va vivre. Le président est ici, lui-même, les soins vivants, pour être carrément pour ça, personne ne va d'accord. Mais je veux dire, on a vu ça. Maintenant, les biens de l'État, tout ça, tu vas aller faire dans le pays, donc pour nous craser, donc nous avons une grande pauvreté, etc. Ouais, tout le monde dans le pays a commencé à dévoiler, mais donc il faut reconstruire le pays. Donc, moi, je crois que dans ta dynamique qui sort d'une nation, un bon moment d'adieu, il faut qu'il y ait un homme qui touche par ça. Moi, je crois que après la mort de Jovenel, qu'il soit président d'Haïti, il va faire back there. Obligé à l'aider d'avant, puisque nous avons plus que 12 millions de monde, il faut que nous nous nourrions, il faut dire que nous prenons responsabilité.